Voilà, je pense qu'on peut démarrer ce panel. Bonjour à tous ou bonsoir, parce qu'on est quand même suivi par un public varié et qui est basé dans un peu partout dans le monde. Le monde est devenu un petit village finalement. Mapluana avait raison. Bonsoir ou bonjour à tous. C'est un plaisir et un honneur de vous revenir dans les après-midi de la tech. Après, je le disais il y a quelques instants, une pause de 5 mois. Nous étions très pris par la mise en ligne et le lancement de notre blog, le Tech Observateur, dont je vous rappellerai le lien plus tard. L'occasion pour moi de redire un immense merci à l'ensemble de nos partenaires pour le soutien à toutes nos initiatives. Puis au Sénégal, à l'honneur en ce mercredi de reprise, l'RTP, GT Technologies Sénégal, l'UVS, Guindé 2000, DG Digital, Adapri, qui assure les campagnes pour les annonces des panels. Simplement Sénégal. Il nous dure d'ailleurs, on vous invite tous, hein, demain jeudi 20 octobre à Dakar, son siège Afrique, à la cité Kër Gorgui, à côté de Sonatel. Orange, comme on parle de Sonatel à travers Sonatel Academy et Orange Digital Center, l'équipe de Daouda, le PTN Ilyin Hotel qui héberge ses panels à Mermoz, Optique Calisport, représentée aujourd'hui par son fondateur et directeur général. Mika Diol, Kangam Créative, à qui donc on doit ces belles infographies, ces belles créas, la structure de notre infographe babacardienne. Ça fait du beau monde comme l'autre beau monde au fil de nos projets journalistiques. Et c'est pour vous dire, bien entendu, que c'est un immense honneur que nous tâchons de mériter au fil de ces panels. Toujours dans cet esprit d'échange et de partage sur les enjeux majeurs en lien avec la marche du numérique. Je vous le disais, Pridonc est à l'honneur autour de l'inclusion financière et de l'innovation. Nos invités, vous les voyez déjà à l'écran, Virgile Tofodji, dont c'est la première fois que je l'interview, le manager général de Free Money, Ndeye Awa Gueye, en charge de l'innovation chez Free, et Mika Diol, le disrupteur normal, hein, c'est un start-upper, Mika, disrupteur du monde bancaire. Vous seriez un peu plus édifié tout à l'heure sur ce que nous venons d'avancer comme mot. Le public prendra également la parole au fur et à mesure. Hein. Les connaisseurs et les habitués savent très bien de quoi nous parlons. Je signale que ce panel, je le disais tout à l'heure, est aussi en live sur notre site, le Tech Observateur, et la chaîne YouTube du même nom, le Tech Observateur. Merci à tout le monde. Virgile Tofodji, on va vous faire l'honneur de démarrer ce panel donc en premier pour nous faire, dans un premier temps, Virgile, un rappel hein, des initiatives de Free allant dans le sens de l'inclusion financière. Et quand on parle d'inclusion, votre position géographique, vous dites d'ailleurs parce qu'à l'instant, Virgile, vous êtes à Kolda en tournée au nom, bien sûr, de Free Money et de Free globalement. On vous laisse l'honneur de démarrer ce panel pour nous rappeler un peu, comme on dit, les différentes initiatives de Free dans le domaine de l'inclusion financière. Merci beaucoup, merci Ousmane, merci les panélistes, merci Mika, merci Ndeye. Je suis Virgile Tofodji, c'est la première fois que j'ai l'honneur vraiment de participer aux médias du Tech. Et vraiment merci beaucoup Ousmane. Je suis administrateur de Free Money depuis 2020. Je suis CDPF, je ne sais pas si c'est un peu connu au Sénégal ici, certificat Digital Finance Practitioner. Donc, je suis vraiment un acteur de la chose et diplômé de Fletcher University aux USA et en partenariat avec DFI Digital Frontier Institute qui s'occupe essentiellement des questions de la finance digitale. Et donc, j'ai en charge toute la partie finance digitale de Free. De Free, qui est un opérateur au Sénégal avec aujourd'hui un peu plus de 4 500 000 abonnés. Donc, je prends en charge toute la partie finance digitale de Free, comme je le disais. Et nous sommes à la base un émetteur de monnaie électronique et agréé, reconnu par la Banque centrale et des États de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, nous, c'est vrai que nous. Pour vous présenter un peu le contexte du Sénégal, qui est Oui. quand même assez particulier. On ne parle pas assez souvent de ça. Le contexte du Sénégal est assez particulier. C'est un marché assez disruptif et avec tout un tas d'innovations. Hein. Quand vous regardez très bien au niveau de la Banque centrale, ils l'ont dit, sur à peu près l'ensemble des initiatives en termes d'innovation dans la sous-région,
le Sénégal à lui seul prend cette taille plus de 50% des initiatives. Je me rappelle plus exactement des chiffres, mais je sais que à peu près 44 initiatives dans le domaine de la finance digitale et au Sénégal. Et donc le Sénégal est largement en tête après la Côte d'Ivoire et les autres pays. Et donc, je vous le disais, on est dans un contexte du Sénégal où toutes les initiatives sont en cours et les services financiers mobiles sont en train de connaître toute notre révolution en ce qui concerne la digitalisation des parcours, en ce qui concerne le réseau de distribution. On aura le temps de revenir correctement dans ces détails-là. Et donc, nous, Free, et n'étant pas les premiers sur le marché, et je pense qu'on a eu à accuser quelques retards, donc n'étant pas les premiers sur le marché, nous sommes venus dans cet écosystème vraiment en apportant, nous, notre vision, c'est d'apporter quelque chose de plus pour libérer le consommateur sénégalais, pour vraiment apporter quelque chose de plus. Et cette chose de plus que nous apportons aujourd'hui et s'inscrit dans le cadre de l'innovation, hein. Je peux citer quelques-unes que nous avons mises sur le marché depuis que nous sommes là. Et la première chose, c'est déjà l'application MyFree. L'application MyFree, qui est une application client complètement digitalisée et qui est également une application dans le réseau d'agents complètement digitalisée. Donc, c'est pour dire que le parcours aujourd'hui de nos clients et le parcours de nos distributeurs est complètement digitalisé. C'est rare, il n'y a qu'au Sénégal qu'on voit ça. Et pour ne pas trop faire de la publicité à la concurrence, tous les concurrents ont pris le pas. Aujourd'hui, vous avez un réseau de distribution complètement digitalisé au Sénégal. Et on est plus sur de l'SSD. Et vous avez un parcours client complètement digitalisé. On est plus sur de l'SSD. Mais en plus, on a fait mieux. On était les premiers à penser qu'il fallait ouvrir l'application à tout le monde et qu'il fallait quitter le cloison des opérateurs de téléphonie et avec les émetteurs de monnaie électronique. C'est deux entités complètement distinctes comme nous l'autorise la loi. Donc, on a été les premiers à penser qu'il fallait ouvrir l'application pour tout le monde. Donc, quel que soit ton réseau, tu pourrais télécharger l'application et avoir vraiment et ce service un peu comme des OTT. Après, dans cette application, on a pensé aussi aux illettrés, un peu comme la concurrence, on a pensé aussi aux illettrés. Et il y a la 4QR aujourd'hui, qui est quelque chose dont on ne parle pas assez pour les clients, et qui permet à un client, je suis à Col d'Ala, hein, j'ai fait tout le tour du Sénégal, comme Ousmane l'a dit. Vous voyez des gens qui viennent vraiment du fin fond du Sénégal, qui ont le 4QR, et qui ont des parcours assez simplifiés pour faire des services financiers mobile. Quand le gars veut faire un retrait, il monte sur sa carte, on fly sa carte, il n'a même plus besoin de mot de passe et ça génère un OTP que l'agent met dans son système et la transaction passe. Donc vous voyez, il y a ce type de parcours assez simplifié qui correspond vraiment au fin fond de Sénégal Lambda que nous essayons de mettre en place dans notre application. La deuxième initiative qui est quand même la plus belle que je trouve, hein, modestement, qui est la plus belle que je trouve modestement, c'est le lancement en partenariat avec les banques de la place, conformément à la régulation, nous sommes en train de travailler dessus, d'une carte Mastercard, la Free Money Mastercard. Pourquoi on a observé et on avait deux visées. La première visée, c'est que l'Afrique basse n'est pas rejoindre le paiement en ligne. Et pour nous, c'est très clair. C'est très clair. L'Afrique est restée longtemps en marge, mais l'Afrique basse finit par rejoindre le paiement en ligne. On connaît le nouveau monde. C'est le monde du contenu, c'est le monde du sport, c'est le monde des jeux, c'est le monde du e-commerce. Et donc, pour interagir avec ce monde, aujourd'hui, le Sénégalais a besoin, sans forcément être un client de banque, a besoin de faire des paiements. De faire des paiements pour avoir de contenu de sport, pour avoir de contenu de e-commerce, pour avoir de contenu du jeu. Donc, on a lancé la Mastercard virtuelle. C'est une carte. Aujourd'hui, que n'importe quel client au Sénégal, dès qu'il touche à notre application, il peut se générer sa carte. Il fait son identification, il peut générer sa carte. Et à partir de cette carte, à partir de son compte mobile, de son compte Free Money, il peut approuver sa carte et payer du jeu en ligne, et payer du contenu de sport en ligne.
faire du e-commerce, acheter sur tous les sites, pour nous, c'était très important. Et on a vu, hein, dans le peu de résultats qu'on est en train de faire, on a vu comment ce produit est très attractif et très admiré du marché. La deuxième chose, c'est les cartes physiques. On fait également des cartes physiques. Les cartes physiques qui, et là, je veux, qu'on a mis en circulation. C'est vrai qu'on continue toujours de travailler sur le projet, mais en phase pilote, quand même, ce que nous avons n'est pas mal. Et ça permet aujourd'hui à n'importe qui, sans forcément avoir un compte bancaire, d'approvisionner sa carte et de faire des transactions normalement, de faire des retraits, de faire du paiement et de faire tout ce qu'on connaît de façon classique. Et donc, et voilà une innovation qui libère vraiment le consommateur sénégalais, qui le met vraiment au même piédestal que le citoyen international. La troisième innovation qu'on a mise en place, c'est le crédit digital. Le crédit digital, le fameux crédit digital, qui aujourd'hui, à partir de scoring, et de machine learning et d'intelligence artificielle, on arrive à apprécier le taux de crédibilité d'un client. Et en fonction de ça, on le génère du crédit. Donc, et tout se fait sur le téléphone. À partir de son téléphone, le gars, il fait tout son parcours et puis, pap, il peut avoir jusqu'à 300 000 de crédits qu'on lui décaisse et qui sont remboursables sur un mois. C'est aussi une innovation qu'on a mise en place en début de cette année qui fonctionne bien. Et après, le dernier produit dont je vais parler, c'est pas la liste, elle n'est pas exhaustive, mais c'est quand même la carte bancaire Wallet. La carte bancaire Wallet qui permet aujourd'hui à n'importe qui, et à partir de sa carte bancaire, de déposer de l'argent dans les comptes Free Money. Donc voilà un peu les initiatives que nous avons déjà mises en place. Oui. Nous continuons notre parcours avec beaucoup de produits innovants. On a une roadmap de produits très innovants. Et tout le monde nous connaît au Sénégal. On est là vraiment pour briser les codes. On est là pour faire bouger les lignes. Merci beaucoup. Oui, directeur, une dernière question avant de passer la parole à Ndeye Awa Emeka. C'est l'éducation financière, mais elle est essentielle. Je vois que la banque centrale, la BCAO, est consacrée, si je me trompe, quelques jours chaque année pour mobiliser les acteurs. C'est également le cas de l'Observatoire de la qualité des services financiers avec Abib Ndao. Cette éducation financière, quelle est la place que vous lui accordez dans vos stratégies? Oui, c'est pour nous, c'est très important. On peut paraître ne pas faire grand-chose, Ousmane, comme tu sembles me le dire. On peut paraître ne pas faire grand-chose, mais c'est une question qui est centrale pour nous. C'est une question qui est centrale pour nous. Et même avant d'arriver à l'éducation financière, moi, je vais parler d'abord même à l'éducation par rapport au digital. Parce que le marché du Sénégal va très vite. Et c'est l'un des rares marchés où on a à peu près 70% de pénétration de smartphones. Je ne sais pas si Ousmane, tu le sais. À peu près 70% de la population du Sénégal a un smartphone. Et il y a Internet et partout. Donc, il y a l'éducation par rapport au digital. Et c'est ça qui vient tout changer par rapport à la façon dont les gens utilisent les services financiers mobiles. Et ça vient impacter la façon dont les gens sont éduqués financièrement. Et donc, aujourd'hui, on fait tout un travail de parcours. Ndeye va revenir dessus tout à l'heure. Tout un travail de parcours simplifié et tout un travail de sensibilisation autour de Code PIM. Mais l'éducation financière ne s'arrête pas là, justement. L'éducation financière va beaucoup au-delà. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, nous essayons de discuter avec les fintechs de la place, hein, parce qu'il y a des fintechs qui sont très, 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 très orientés éducation financière et sur la base de nos traditions, de nos cultures et tout. Donc, nous discutons avec tous ces gens-là pour voir comment les incorporer, comment aller en partenariat avec eux pour pouvoir améliorer l'éducation financière. Merci beaucoup, Ousmane. Merci, merci beaucoup, Virgil. Alors, on va passer la parole à présent à votre collègue, hein, Ndeye Awa Gueye, en charge de l'innovation chez Free. Et je pense que ça colle bien les jeunes. On parle d'innovation, on parle de start-up, on parle de disruption. Il faudrait aller très vite. Hein. C'est vraiment un secteur où on doit aller très, 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 très vite. Et dans ce secteur, être vieux, ce n'est pas avoir beaucoup d'années à son actif, mais c'est plutôt ne pas accepter d'y aller, ne refuser un peu la transformation digitale. Comme on dit, d'ailleurs, certainement, vous pourriez peut-être, dans un premier temps, nous parler globalement du positionnement de Free, globalement, pour nous donner une meilleure idée après ces explications de Virgile. Alors, cher... Son micro. C'est bon, vous m'entendez?
Voilà, c'est très bon. Allez-y. Super. Alors, chers auditeurs, bonjour, bonsoir. Hein, en fonction de la position géographique et en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc, bonjour encore une fois à mes collègues panélistes Virgile et Mika. Donc, merci Ousmane pour cette question. Donc, moi, je suis en charge de l'innovation et du partenariat avec l'écosystème numérique au sein du département expérience client et transformation digitale de Free. Aujourd'hui, en fait, tout le monde est conscient que, il faut innover dans le secteur de la banque, dans le secteur financier pour faciliter les usages, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les consommateurs ou entre les entreprises. Donc, Free aujourd'hui a toujours eu, tout le monde sait que Free a toujours eu l'innovation dans son ADN et reste un acteur disruptif, comme l'a dit tout à l'heure Virgile. Donc, nous évoluons en mode start-up et qui dit start-up dit innovation. Et donc, nous sommes convaincus, en tout cas, qu'il faut booster l'innovation dans tous ses aspects. Et c'est seulement dans un écosystème très exigeant, avec des acteurs très motivés et très forts, où on peut faire vraiment d'excellentes choses. Pour booster justement cette innovation à notre niveau, cela commence par un accompagnement financier. Un accompagnement financier et non financier des pépites à tous les niveaux. Et sur cette lancée, nous avons lancé des initiatives et mis en place des programmes tels que des formations en ligne, des ateliers, des compétitions, entre autres. Et aujourd'hui, le programme phare que nous avons, c'est le Fix Challenge, qui est une compétition qui a pour objectif d'encourager les initiatives concrètes qui proposent des solutions de transformation de problèmes en solutions. Alors, à partir d'innovations digitales, hein, entre autres, comme la fintech, le gaming, l'IoT, etc. Mais aujourd'hui, on parle de fintech. Et chaque année, aujourd'hui, le Fix Challenge récompense cinq projets concrets que nous accompagnons. Nous accompagnons vraiment à produire, à aller à l'échelle. Si la start-up est à l'étape idée ou à l'étape MVP, vraiment, le positionnement de Free, c'est vraiment de l'accompagner jusqu'à aller dans un produit, sortir un produit commercialisable. Et pour cela, nous avons noué des partenariats avec des structures comme la DER, par exemple, qui nous accompagne depuis le début, qui participe à cet accompagnement, désolé de me répéter, technique et financier de ces startups, lauréates du Fix. Nous avons également mis à disposition de ces porteurs de projets une plateforme qu'on appelle Launch by Station F. Je pense que tout le monde connaît aujourd'hui Station F, qui est très connue en France. Ils ont une plateforme en ligne qui offre des cours vidéo avec des entrepreneurs et des investisseurs très connus dans le monde, l'accès à une bibliothèque d'une vingtaine d'outils utiles pour lancer et développer son entreprise et bien évidemment un suivi très dynamique de ses projets. Donc, c'est une plateforme que nous avons mise en place pour les lauréats du Startup du Fix Challenge. Et d'autre part, j'aimerais citer la mise à disposition de nos API pour faciliter justement le déploiement des solutions des porteurs de projets, aussi des offres, tout ce qui est Internet au début, hein, notre cœur de métier, qui vont jouer vraiment un rôle très important dans cette éclosion de solutions évoluant dans les fintechs. Pour résumer, Ousmane, Free se veut vraiment une position de père de famille. L'idée n'est pas en fait de gagner de l'argent à tout bout de champ, mais d'accompagner ces pépites, d'accompagner ces innovateurs qui sont au niveau dans l'écosystème. Car la finalité, c'est vraiment d'adresser les défis qu'ils rencontrent, parce que les entrepreneurs rencontrent énormément de défis, pour pouvoir les faire passer à l'échelle en leur facilitant l'accès à l'information, l'accès au partenariat, l'accès au réseau, l'accès au marché, afin d'arriver à un produit commercialisable et trouver vraiment le levier de croissance afin d'avoir un véritable impact économique, social et surtout un impact sur la vie du consommateur final.
Merci, Ousmane. Et quand vous parlez d'accès, vous pouvez peut-être nous parler de l'accès aux API, parce que généralement, je participe à beaucoup de rencontres entre startups et opérateurs, et cette thématique, elle revient très souvent chez vous. C'est comment vous les fermez ou vous les ouvrez aux jeunes acteurs? Oui, on les ouvre aux jeunes acteurs. Aujourd'hui, je vais donner l'exemple. Enfin, presque tous les startups que nous avons dans la communauté fixe utilisent des moyens de paiement. Les startups qui évoluent dans le e-commerce utilisent des moyens de paiement. Donc, ils ont naturellement besoin d'avoir accès à nos API, soit des API SMS ou des API Free Money, des API de paiement, pour pouvoir rendre leur solution beaucoup plus accessible aux consommateurs. Merci, merci Léa, merci Virgile. Juste pour Alors, Nick va nous compléter, revenir avec sa vidéo, oui. voilà, c'est fait. Parce qu'il a quitté l'Amérique, là, il est au Sénégal, mais on voit qu'il n'a toujours pas quitté son Amérique à lui, parce qu'il a comme fond, évidemment, ce fond qui nous rappelle beaucoup de choses. Hein. Et revenant d'ailleurs du pays de l'oncle Sam, pourrait nous en dire un mot en guise de commentaire, Mika. Très rapidement, on sait qu'on a beaucoup de questions pour vous, mais dans un premier temps, Mika, un premier commentaire après ces propos de Virgile et de Ndeyawa. Vous qui tenez à ce que l'inclusion financière soit bien sûr au profit de tout le monde, vous qui travaillez à la mise en place notamment de gaps innovants, et vous allez d'ailleurs nous dire de quoi il s'agit, s'il vous plaît. Alors, Mika qui va réactiver son micro. Voilà. Voilà. Excellent. Comme quoi. Merci Ousmane. Donc merci Virgile, merci Ndeyawa et merci à tous les participants à cette émission. En fait, déjà, je vais commencer par me présenter. Donc mon nom c'est Mika Diol, je suis le fondateur et le CEO d'une startup qui s'appelle Outsource Monetic Group, qui est donc basée aux États-Unis, mais avec une présence légale et commerciale au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Sénégal et Côte d'Ivoire dans un premier temps. Sachant que notre objectif, c'est d'être présent dans tous les 14 pays de la sous-région, 8 CEMAC et 6, 8 en zone UEMOA et 6 en zone CEMAC. Alors, ce que nous faisons, c'est nous sommes une fintech déjà et nous sommes spécialisés plutôt dans de l'ATM as a service. Donc, les guichets automatiques bancaires que tout le monde connaît plus ou moins sur Dakar en Afrique de l'Ouest. Et donc, nous en faisons un cœur de métier, mais qui n'est pas le résultat final en réalité. Nous, c'est un outil. C'est un outil autour duquel on construit un ensemble de services et de solutions, ensuite qu'on met à disposition, soit au niveau des banques, soit au niveau des opérateurs de mobile money, ou soit au niveau des fintechs, qui justement, elles, ont besoin à un moment donné d'avoir la possibilité d'offrir à leurs clients la possibilité de faire du cash-in, cash-out, c'est-à-dire dépôt physique d'argent ou bien un retrait physique d'argent. Donc ça, c'est notre positionnement pour résumer un peu. Et effectivement, sur le volet donc telco, télécom et mobile money operator qui nous concerne aujourd'hui, alors j'ai été honnêtement l'un des premiers à applaudir le jour où Free a annoncé la mise à disposition de cartes bancaires, cartes débit, sur lesquelles ils ont adossé en fait justement le compte mobile money. Je me suis dit, c'était hyper smart, c'était très très intelligent, ça vraiment. Créer un canal supplémentaire pour permettre aux populations qui sont déjà consommatrices du mobile money, mais de commencer à les initier également de plus en plus à l'usage de cet outil qui est le guichet automatique bancaire pour pouvoir continuer à faire également leurs transactions de dépôt et de retrait de cash. Et donc, je crois que le positionnement de Calispot, alors Calispot, c'est le nom commercial du produit que propose Outsource Monetic Group sur l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et vous l'aurez compris, hein, c'est une jonction de deux termes, Calis en Wolof et Spot, point de service, donc, qui constitue le nom de notre produit et de notre marque. Donc, c'est vraiment avec un énorme plaisir que j'ai accepté de participer à ce panel parce que le contenu, le sujet, ainsi que l'acteur en lui-même, en fait, aujourd'hui, effectivement, avec cette approche innovative, permet à des fintechs comme la nôtre, qui aujourd'hui, lorsqu'une Dayawa faisait la description un peu des cycles de vie d'une entreprise, je crois qu'il y a à peine 8 mois, 1 an, je suis passé plus ou moins par tous ces cycles-là, l'idéation, le MVP, aller chercher des fonds d'investissement, raison entre autres pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui Calispot a démarré aux États-Unis et nous faisons partie du portfolio de l'un des plus grands accélérateurs de start-up du monde qui s'appelle 500 Global et qui a aujourd'hui plus de 2600 entreprises dans son portfolio. 45 licornes, qui sont déjà des entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars,
et nous sommes le tout petit dernier qui vient d'arriver, sauf que nous avons des ambitions très, très fortes et très élevées et que nous comptons atteindre, Inch'Allah. Et nous sommes donc la première start-up de la zone ouest africaine francophone à faire partir du portfolio de cet accélérateur-là. Et donc, c'est un énorme challenge qui nous est sur les épaules et que, avec plaisir, je pense, avec la participation et la collaboration des acteurs comme FRI au Sénégal, nous arrivons très certainement à relever ces challenges. Tout à fait, Mika, merci beaucoup. Effectivement, on se souvient de cette belle actualité, cette levée de fonds que vous avez pu obtenir dernièrement. Je sais que d'autres levées de fonds vont venir hein, parce que je vois ces allées et venues entre le Sénégal et bien d'autres aires géographiques hein, de notre petite planète, décidément. J'aimerais bien, avant qu'on poursuive avec vous, Mika, que vous reveniez quand même sur ces gaps innovants. Moi, ça me fait énormément rêver. Et peut-être que Virgile aussi en dira un mot, parce que de plus en plus, nos gaps sont malades quand on s'y rend. C'est souvent des problèmes de connexion. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut faire évoluer cela, parce que si ça ne marche pas, et que le client n'est pas un très bon client pour la banque de sanctionner, donc il est important aussi de l'autre côté, quand la qualité de service n'est pas bonne, au niveau des gaps, que franchement, on essaie de voir comment débloquer cette situation. Vous, vos gaps à vous, idéalement, autrement dit, tel que vous les pensez dans votre esprit, ils ressembleraient à quoi? Alors, un gap Calispot ressemblerait à quoi? Déjà, c'est un point Calispot, c'est-à-dire que le gap n'est pas détenu par la banque. Ce sont nos gaps, ils sont de notre propriété. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, on identifie déjà des positions géographiques, des sites qui sont soit excentrés ou bien soit où il y a une forte concentration de personnes qui doivent faire peut-être quelques kilomètres ou conduire longtemps avec la circulation qu'il y a à Dakar maintenant actuellement pour aller chercher un guichet automatique bancaire. Donc, nous avons déjà identifié les futurs sites sur lesquels on va déployer. Et une fois qu'un site est identifié, nous venons poser un gap. Et ce gap-là, donc, il est administré, maintenu, supervisé par l'équipe technique de Calispot. Maintenant, ce qu'on fait derrière, c'est que nous, on connecte ce gap-là aux différents fournisseurs de services financiers qui existent sur la place. C'est-à-dire que ce gap n'est pas dédié à un provider, à une banque, par exemple, ou à un mobile money. C'est un gap multifonction, multiservice, dans le sens où sur le même gap, vous pouvez venir avec votre carte bancaire, vous l'insérez, vous pouvez faire votre transaction bancaire parce que nos gaps sont interconnectés derrière avec une banque partenaire parce que nous sommes en environnement très régulé, qui est celui donc de la banque de finances. Et donc, la banque centrale nous impose en fait de passer par une banque partenaire qui est celle qui va donc effectuer justement toutes les transactions bancaires que cette personne insère la carte. Toujours sur ce même gap-là, une personne qui est par exemple client de Free va se présenter devant le gap, va pouvoir utiliser de deux choses l'une, soit sa carte bancaire Free qu'il va insérer dans le gap et faire exactement les mêmes types de transactions qu'il voudra faire, ou bien à l'opposé, il va vouloir faire plutôt une opération de mobile money Free sur ce même gap-là. C'est-à-dire qu'il va insérer son numéro de téléphone, le gap va le reconnaître parce que le gap sera interconnecté également avec les systèmes de Free et va pouvoir donc l'autoriser à faire soit son dépôt d'argent sur son compte ou bien du retrait d'argent sur son compte mobile money. Donc ça, c'est typiquement les deux cas de figure qui seront les plus usités sur le réseau de gap Calispot. Merci Mika. Alors, je me tourne de nouveau vers Virgile. Hein. Des gaps comme ça avec la dynamique innovative que vous avez prise à Free, ça vous dit quoi? Est-ce qu'un jour on peut arriver quand même à une jonction entre, par exemple, les services de Free Money et des gaps comme ça qu'aujourd'hui on puisse, à travers un gap ou dans un gap, faire un retrait Free Money, par exemple? Ok, avant que je ne vienne là, et merci beaucoup, Mika, et merci beaucoup, Ousmane, merci, Mika, pour l'intervention. Avant que je ne vienne là, et permettez-moi de revenir quand même sur quelque chose. C'est, comme je vous le disais, je suis à Kolda, je présente Kolda. Rien que pour vous dire que, et pour compléter juste ce que Ndeye Awa disait tout à l'heure, Free travaille déjà à moderniser son réseau. Mm-hmm. Parce que tout part la tech, pas même d'abord d'Internet. Mm-hmm. Aujourd'hui, moi, j'ai fait tout, hein, et dans chaque ville. Dans chaque petite ville du Sénégal, vous avez quand même la présence de la 4G, ou tout au moins de la 3G. Ndoro, Noto, et Richaton, Dagana, jusqu'ici, j'avais tous les villages, hein, j'ai fait,
J'ai fait Tamba, j'ai fait Kolda, j'ai fait Kédougou. C'est ça. Il faut donner accès à Internet à ces populations-là. La deuxième chose, c'est la fibre. Vous allez voir que nous sommes peut-être en retard, mais on a quand même pas déployé notre fibre de façon très autonome. Ça, c'est important de le préciser. Maintenant, pour revenir à ce que Monica disait tout à l'heure, moi, j'ai applaudi le jour où j'ai reçu l'information de la start-up de Mika et ce qu'il voulait faire. Moi, j'ai applaudi. Vous savez pourquoi j'ai applaudi? J'ai applaudi parce que peut-être qu'il y a une question qui va revenir dessus tout à l'heure. Oui. Tout le monde a vu cette guiguerre aujourd'hui dans l'industrie du mobile money, dans l'industrie de la finance digitale. La guerre des acteurs, la guerre du réseau d'agents, c'est très, très important. Aujourd'hui, on a un réseau d'agents qui dépend essentiellement des hommes. C'est vrai, on va même parler de l'inclusion sociale. On va même dire que le réseau d'agents génère de l'emploi indirect. Mais également, il faut soutenir ce réseau d'agents, il faut avoir de la résilience avec des initiatives comme les initiatives de Mika, où tout l'écosystème peut se connecter à cette gamme. Et pour ce que moi j'ai appris, hein, Mika, je ne te fais pas de la publicité, je sais que c'est des gammes qui ont fait des dépôts et des retraits. Contrairement à ce qu'on connaît de façon traditionnelle au Sénégal avec les banques, où c'est des gammes de retrait. Des gammes qui ont fait des dépôts et des retraits, y compris des services de monétique, de carte bancaire et tout. Donc vous voyez, c'est des gammes qui seront vraiment multiservices et ça va venir régler un peu ce problème de résilience dans le réseau d'agents au Sénégal. Parce qu'un GAM, comme Mika l'a dit, s'il est bien administré, s'il est bien maintenu, s'il y a un bon business model, tout le monde va se connecter à ça. Et ça va créer de la résilience dans le réseau d'agents. Parce que on n'a pas une société cashless aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gars continuent de croire au cash. Quand j'ai mon cash dans la poche, c'est plus sûr pour moi. Pourquoi? Parce que tu vas aller dans les GAM, tu n'es pas sûr. Moi, même à plein Dakar, tu fais le tour de 3, 4, 5, 6 gaps. Pendant que, je ne veux pas parler de banque, mais pendant que les banques, les agences de banque sont ouvertes, on te dit que le gap ne fonctionne pas. Donc, on a besoin des acteurs comme Mika, comme la start-up de Mika, pour travailler sur la mise en place de ces gaps, sur l'administration, sur la maintenance, sur le business model qui permet d'incorporer le maximum d'acteurs pour pouvoir créer de la résilience. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire pour dire vraiment et merci à l'initiative Mika. Et dis que je l'attends, hein, je l'attends avec impatience. Et je sais que là, je me suis connecté déjà aux émetteurs de monnaie électronique. Il ne m'a pas mis en priorité, mais je l'attends depuis, je l'attends de façon impatiente. Oh non, Virgile, on est déjà en échange. On est déjà en échange avec les équipes, je te rassure. C'est déjà le cas. Et juste pour ajouter une petite, un petit point à ce que donc Virgile vient de dire, justement, le réseau de distribution humain, d'accord. Alors, pour vous rassurer et rassurer tous les auditeurs qui nous écoutent en pensant peut-être que l'objectif pour Calis Post c'est de concurrencer ce réseau humain-là ou de le remplacer, absolument pas, absolument pas. Bien au contraire, parce que nos GAB en fait seront positionnés de préférence dans un premier temps dans le réseau de distribution humain actuel. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous avez votre distributeur au coin du quartier ou à la boutique qui fait du mobile money de 8h à 17h et qui ferme à partir de 20h et qui veut prendre son week-end, ben, au moment où il est fermé, ce gap-là que nous positionnons dans ces locaux continuera à générer de l'activité. Donc, ce sera un fonctionnement H24 et donc chacun y gagne parce que, bien entendu, notre business model inclut aussi bien les GAB, les sites que nous disposons et qui sont les nôtres, mais également les distributeurs de mobile money classique standard qui sont donc qui sont là et qui ont fait d'ailleurs la dorsale de tous les opérateurs de mobile money sans exception aujourd'hui. Je vais citer aucun nom, mais quel qu'il soit, aussi bien le tout premier que le dernier arrivé, ont tous aujourd'hui bâti quand même leur chiffre d'affaires sur le dos, en tout cas les épaules de ces opérateurs là qu'il nous convient donc de toujours maintenir dans la boucle. Et c'est le cas. Il y a une politique très forte chez Outsource Politique, chez Calispot, qui dit en fait que Nos guichets automatiques, j'enlève le terme bancaire parce que c'est des guichets automatiques, ils ne sont pas que bancaires. Nos guichets automatiques sont positionnés de préférence et en priorité d'abord au niveau des sites
des opérateurs, des distributeurs standards actuels avant d'aller chercher des sites externalisés. En tout cas, merci à Virgile pour le ressenti, et je pense que c'est juste un début et que très bientôt on déroulera les premiers. Mika, alors, il y a une question pour vous. Oui, il y a une question pour vous. Bonjour. Oui. Est-ce que l'application est disponible sur le Play Store, sur le web? Je ne vois pas le lien, merci. Je ne vois pas le lien. C'est normal que vous... Oui, l'application pour le moment n'est pas encore ouverte. Tu m'entends, Ousmane? Oui, je t'entends très bien. D'accord. Oui, je disais que l'application n'est pas encore ouverte à l'accès public. Alors, justement, ça me permet de donner un peu le plan, parce que j'ai beaucoup de questions maintenant qui me disent quand est-ce que vous démarrez. On a déjà démarré. C'est tout simplement qu'on n'est pas encore accessible du grand public. Et tant que Virgile, en tant que technicien, sait très bien de quoi je parle, la gestion de projet, déroulement de projet, on passe par une phase d'abord où on intègre les partenaires. On passe par ce qu'on appelle les user acceptance tests, les tests d'acceptation utilisateur. Et une fois que tout ce process est fini, c'est à ce moment-là qu'on ouvre les sites à l'accès au grand public. Donc, en termes de timeline, d'ici à la fin de l'année en cours, c'est durant cette période-là où on fait tous les déploiements, toutes les mises en place des premiers sites qui seront sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et c'est à partir du premier trimestre de l'année prochaine, Inch'Allah, que les premiers sites seront ouverts au grand public. Et à ce moment-là, donc, évidemment, l'application également sera accessible, ainsi que tous les services qui vont avec. Merci, je vois mon ami Kone Balo de la Côte d'Ivoire qui nous dit donc merci de rassurer les agents. La Côte d'Ivoire vous attend impatiemment. Avec grand plaisir. À vous, Céline. Merci, Mika. Entre-temps, je signale que vous avez quelques soucis de connexion. Faudra peut-être préciser votre adresse et Ndeye Awa et ses équipes vont venir te connecter là maintenant. Parce qu'on ne peut pas parler quand même avec des opérateurs d'avoir des soucis de réseau, n'est-ce pas? Merci infiniment. Il y a M. Ndiaye qui levait la main. M. Ndiaye, vous voulez bien prendre la parole? Vous voulez la prendre? Effectivement. Merci beaucoup, Ousmane. Merci beaucoup à tous les acteurs de cette tribune. Moi, j'avais une question, deux questions même pour Mika. C'est concernant les GAP. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, peut-être une présentation de vous, s'il vous plaît. OK. Merci beaucoup, Ousmane. C'est vrai, je pense que plutôt au timing. Moi, c'est M. Ndiaye Mokhtar. Je suis ingénieur au niveau de la santé Orange. Je travaille sur la partie réseau sécurité et sur les projets. J'avais une question, deux questions pour Mika. Les questions, c'est concernant la disponibilité des GAP. Parce qu'au Sénégal, des fois, on fait face à un problème de haute disponibilité des GAP, que ce soit sur la partie réseau et que sur la partie énergie. Des fois, ces GAP ne sont pas hautement disponibles et des fois, ça porte préjudice aux clients. Quel est votre plan de remédiation pour gérer cela? Et aussi, la deuxième question, c'est quel sera le support pour les clients pour retirer de l'argent ou bien pour faire des opérations au niveau des GAP? C'est-à-dire, est-ce que le client aura une carte bancaire? Oui ou non? Ou bien, est-ce que le client va utiliser son numéro de téléphone pour faire ses opérations financières? Et si c'est son numéro de téléphone, quel est le mode d'authentification qui sera utilisé? Est-ce qu'il y aura une authentification basée sur le multi-factor authentication ou bien il va juste utiliser un code qui lui sera dédié et tout? Voilà les deux questions que j'avais concernant Bapomeka. Et aussi, je vous félicite pour ce projet qui est vraiment innovant et qui va faciliter vraiment la vie aux clients et qui pourraient faire leurs opérations financières en toute indépendance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ndiaye, pour les questions. Je vois que ce sont des questions très techniques. Je vais prendre un cas de figure, d'accord? En prenant le cas d'un client qui est client free, qui a sa carte bancaire free, d'accord? Il vient et se présente au niveau de l'un de nos guichets automatiques bancaires. Quand il insère sa carte, l'infrastructure arrière, le back-end qui bien sûr administre l'ensemble de nos guichets automatiques bancaires, sont interconnectés bien évidemment au réseau bancaire, au système d'information bancaire de la place. Parce que n'oubliez pas que nous ne sommes pas une banque et que donc nous passons par un partenaire bancaire qui lui va se charger ensuite de cette portion de transaction qui n'est pas la nôtre, qui est celle du système d'information bancaire, telle que régulée par les autorités de la place. Donc à ce moment-là, ce sera donc
le partenaire bancaire de Free au Sénégal. Et, monsieur, et Virgile, je pense que sans trop me tromper, je crois qu'il s'agit d'une banque, enfin, je vous laisse citer le nom de la banque, après par la suite. Donc cette banque partenaire avec qui... EcoBank. Voilà. EcoBank, voilà. Donc, le système d'information bancaire de EcoBank va prendre le relais sur cette carte-là, qui peut être une carte du Sénégal, hors du Sénégal, donc la transaction. Si c'est un client maintenant qui souhaite faire son, qui souhaite faire une transaction de mobile money, donc Free, son compte Free, qui veut retirer de l'argent ou déposer de l'argent sur son compte Free, là il tapera le numéro de téléphone. Qui n'est pas forcément comme l'a si bien souligné tout à l'heure Virgile. Et effectivement, je crois que force est de reconnaître que Free a été le premier à ouvrir l'accès de sa plateforme à l'ensemble des détenteurs de numéros de n'importe quelle autre monnaie de Free. Donc, cette personne-là viendra, elle saisit son numéro également sur le GAB. Le GAB derrière va faire ce processing-là, sans rentrer dans les détails techniques vraiment, va faire ce processing, va se rendre compte que c'est un client Free au Sénégal et va lui proposer donc les options de pouvoir faire du dépôt d'argent ou du retrait d'argent. Ensuite, pour répondre à votre première question rapidement, c'est au niveau de la disponibilité, que ce soit au niveau de la couverture Internet ou de l'électricité, donc l'alimentation. Bien évidemment, comme ce sont des GAB qui sont déployés et administrés par Calispot, ce sont nos équipes qui ont en charge donc, le monitoring et la supervision de ces GAB-là. Et pour vous donner une information également, c'est que nos GAB ont la particularité de pouvoir se connecter en réseau 3G ou 4G. Donc, ça veut dire que même s'il n'y a pas de présence filaire qui permet la connectivité du GAB, on peut se connecter à n'importe quel. Et aujourd'hui, je crois que la couverture réseau, comme l'a dit Virgile, actuellement, il est à Kolda. Et moi qui suis à Dakar, j'ai une moindre bonne connexion que lui, à tel point que Ousmane doit me couper ma vidéo pour que... Ousmane, j'ai compris tout de suite. Pour que, voilà, donc ça prouve que Virgile étant à Kolda avec une excellente connexion. La qualité, oui, c'est la qualité, oui, de la qualité voilà. de la connexion. Exactement. Virgile étant donc au Kolda avec le réseau Free. Donc aujourd'hui, si je dois poser un gap là où se trouve Virgile actuellement, donc voilà le résultat que ça donnerait très exactement. Merci pour les questions. Merci Mika. Mokhtar, c'est bon? Vous avez d'autres questions? Oui, merci beaucoup Ousmane. Merci Mika pour les réponses. Merci, c'est clair. Merci, merci beaucoup, Sindiaï, de son attel. J'aimerais poser une question à présent à Virgile. Elle concerne plutôt la carte Free Mastercard. Actuellement, depuis le lancement, ça donne quoi à l'heure actuelle, c'est le manager général, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne qu'on est toujours en pilote. Vous savez que les projets de carte monétique, de carte bancaire, sont de grands projets. Déjà, nous, en tant qu'émetteurs de monnaie électronique, et nous sommes dans notre couloir, nous travaillons avec EcoBank, pour ne pas la renommer, on travaille avec EcoBank. Oui. Et nous sommes dans le cadre d'une régulation. Donc, on continue de travailler sur le projet, on continue de fine-tuner le projet, l'intégration avec Jim et moi, et le respect de la réglementation, ça nous prend beaucoup de temps. Donc, on continue de travailler dessus. Mais je peux vous dire que dans la phase pilote, on a de très bons chiffres. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, on a de très bons... Bon, évident, c'est évident. Et pour tous ceux qui doivent payer aujourd'hui Netflix, Facebook, et sponsoring, et Google Ads et tout, ils utilisent beaucoup notre carte. Donc, vous voyez, et sans trop aller dans les détails de chiffres, et c'est pour vous dire que c'est quand même une très belle expérience avec des valeurs de transaction que vous ne pouvez même pas imaginer. Et donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de travailler très vite pour régler les problèmes de réglementation et qui sont encore ouverts, les problèmes d'intégration avec le Jimmy ou moi, pour qu'on ait une carte complète. Et c'est ce que nous attelons actuellement à faire. Et donc, et rassurez-vous, c'est la plus belle initiative de l'année 2022 pour moi. Et on continue de travailler dessus. Merci aujourd'hui, beaucoup. On a à peu près 54 en circulation. Merci, directeur. Il y a cette question de Nils Kaiser, hein, que l'on remercie pour la fidélité. Est-ce qu'un problème fondamental, sûrement la question aussi valable pour Mika, est-ce qu'un problème fondamental du domaine bancaire au Sénégal
mais pas aussi que les conditions des banques sont transparentes et trop compliquées, très difficiles par exemple de savoir les frais ainsi que les processus d'ouverture de compte trop lourds. Normalement, si une banque n'est pas en mesure de gérer ses gaps ou son site ou ses applications mobiles et banking, le client doit pouvoir aller ailleurs facilement. Vous en dites quoi? Moi, si je dois analyser cette question d'un point de vue, je dirais purement fintech et purement client, je vais mettre d'abord à la place d'un client de tous les jours que je suis, évidemment. Maintenant, regardez bien l'écosystème et le paysage. Si vous regardez bien, vous verrez que chaque banque aujourd'hui veut gérer et administrer son propre réseau de gaps. D'accord. Alors, ce qui fait que justement, à un moment, vous vous retrouvez des gaps qui sont surutilisés, surdemandés entre le 25 du mois et le 5 du mois. Du coup, ils sont tout le temps en panne. Et regardez, revenez sur le même site à partir du 7, 8, 9, 10 du mois, vous verrez qu'il n'y a presque personne. Donc, c'est effectivement la rationalisation, l'usage qui est fait des gaps. Et nous, le positionnement que nous avons justement, c'est que comme nous choisissons les sites sur lesquels on installe les gaps, et comme c'est nous qui les administrons, qui les supervisons et qui avons notre propre équipe, nos propres équipes de techniciens qui se déplacent pour faire les maintenances préventives et réactives, cela, bien sûr, va adresser cette problématique que soulève de manière très pertinente cette question et qui constitue donc justement l'équilibrage des charges, l'équilibrage de la présence des gaps et surtout leur disponibilité au niveau du Sénégal. Juste un dernier chiffre, Ousmane, oui. Pour clôturer cette question-là. En Afrique, aux États-Unis, vous avez un taux de présence de GAP, c'est-à-dire qu'il y a 170 GAP pour chaque 100 000 adultes. Vous descendez en Afrique, vous venez au Maroc, vous avez à peu près 58 GAP pour chaque 100 000 adultes. Vous continuez à descendre, vous arrivez en Afrique de l'Ouest et du Centre, il n'y a que 6 GAP pour chaque 100 000 adultes. Donc ça, je crois que ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Merci Mika. Ousmane. Oui, directeur, oui. Tu peux me permettre de compléter un mot rapidement à ce niveau? Bien sûr, allez-y. Moi, je pense aussi que et le monde de la tech évolue rapidement et les banques qui longtemps ont gardé le secteur des finances doivent pouvoir nous accompagner. C'est de la complémentarité. Plus l'inclusion financière est grande, plus chacun il y aura à manger et à boire pour chacun. Et donc, les banques doivent pouvoir nous accompagner dans ce développement de la tech. Aujourd'hui, il y a des banques qui ont compris, hein, qui sont carrément en mode open banking, en mode open API, où ils font des API pour tout ce qui n'est pas corps de leur métier et pour pouvoir léguer la main au fintech. On en voit beaucoup dans le domaine de la remittance, du transfert international. On en voit beaucoup dans le domaine de la monétique, et un peu comme et mon ami, la startup de mon ami Mika. Et ça va continuer. Ça va continuer. On va mettre la tech, va maintenir cette pression pour que on puisse aller vers cette éclosion du monde bancaire. C'est ça seulement qui va permettre l'inclusion financière. Et comme Mika le dit, on ne peut pas continuer à vouloir que chaque banque gère son réseau de GAB. Parce que déjà, vous savez que le GAB en lui-même ne repose pas que sur la technologie bancaire. Derrière même, il y a l'infrastructure Internet qui est derrière, que les banques ne maîtrisent pas. Parfois, ce n'est pas leur faute. Parfois, même, c'est le réseau Internet disponible qui n'est pas bon. Donc, chacun doit jouer son rôle. Les opérateurs qui fournissent Internet, ça, c'est la base, c'est la première couche. Et je remercie vraiment le travail qui se fait ici au Sénégal. C'est de fournir Internet de qualité et Internet disponible à tout moment. Après, c'est de demander vraiment aux banques d'aller dans une vision de open banking où on offre les API, un peu comme on demande aux émetteurs de monnaie électronique d'offrir les API. Ouais. C'est pareil, il faut que les API soient mis à disposition pour que les fintech qui sont spécialisés dans des domaines spécifiques, c'est pas pour rien que les fintech aujourd'hui sont spécialisés dans des domaines spécifiques, pour que ces fintech puissent vraiment se concentrer sur l'activité qu'elles ont choisie. Pour apporter de l'innovation, pour apporter un plus à l'inclusion financière. Et ça, je voudrais vraiment ajouter ça. Merci, directeur. On l'a bien retenu. Virgile Tofodi, manager général de Primonnaie. On va à présent donner la parole, avant le retour de Ndeye Awa sur la 5G, à Wally Diouf, qui est également du secteur, bien entendu, et que l'on connaît très bien, qui est d'ailleurs un des responsables d'une grosse structure qui regroupe les fintechs. Et qui organise pas mal de rendez-vous d'ailleurs sur ces problématiques. Et j'en profite d'ailleurs
pour le remercier pour ses invitations régulières. Wally? Merci Ousmane. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Wally Diouf Diédiou. Je suis le président de l'association Digital Frontières Sénégal, une association qui regroupe les alumni de DFI au Sénégal, de Digital Frontières Institute au Sénégal. Donc, sur le plan professionnel, je suis consultant en services financiers numériques indépendants. Donc, j'ai juste deux questions. Avant tout, je félicite M. Virgile Tofoji pour l'innovation de la carte, mais également Mika Diol. La première question, donc, est adressée à Virgile. J'ai vu que vous avez mis en place la carte de Tigo avec Mastercard. C'est très intéressant. Je vois que le coût d'accès est très accessible. J'étais par contre un peu surpris puisque à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, je me suis rendu dans vos boutiques, chez vos marchands du moins, chez vos agents du moins, pour acheter la carte. Mais j'ai vu que la carte n'était pas disponible chez l'agent. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est un choix que vous avez fait de limiter l'achat de la carte uniquement au niveau des agences? Et je pense que si on parle d'inclusion financière, à mon sens, vous devrez utiliser le réseau d'agents pour maximiser un peu l'accessibilité. La deuxième question, c'est pour Mika Diol. Je vous félicite également pour l'innovation. Je trouve que c'est un système vraiment innovant qui va nous permettre d'aller plus dans l'inclusion financière. Maintenant, ce qui me taraude à l'esprit, c'est comment vous allez gérer la gestion de la liquidité, notamment l'approvisionnement en cash, vu que ces gaps seront déployés aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Mais dans la zone rurale principalement, comment vous allez gérer l'approvisionnement du cash? Donc, c'était les deux questions que j'avais. Merci, Ousmane. Merci, merci, merci beaucoup, Wally. Alors, directeur, je vous laisse répondre, le soin de répondre à Wally. Oui, Wally, merci, merci beaucoup, Wally. Wally, je suis connecté sur sa plateforme et président de l'association de Digital Frontier Institute. Je suis, comme je le disais au départ, je suis CDPF. Et donc, je pense que je dois beaucoup discuter avec Wally. Pour répondre à sa question, j'ai dit tout à l'heure à l'entame que nous sommes toujours en pilote. Même si nous avons à peu près une 50 000 de cartes en circulation, nous sommes toujours en pilote. Et nous avons quand même comme souci majeur le respect de la réglementation. Donc, on a encore des points de réglementation qui sont ouverts, sur lesquels on est en train de travailler sérieusement. On a également des points de conformité, c'est-à-dire avec l'intégration avec le GIM EMOA, pour que la carte soit reconnue GIM EMOA et tout, on est en train de travailler dessus, ça va aller très vite. Et donc, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la carte n'est pas si vulgarisée que ça, mais néanmoins, et la carte est présente chez certains de nos partenaires bien identifiés et bien reconnus. Maintenant, est-ce qu'il reste à faire? Oui, il reste vraiment sérieusement à faire pour vulgariser la carte. Et totalement, parce que nous pensons qu'il faut démocratiser cette carte-là. Nous pensons que c'est une carte que tout Sénégalais doit pouvoir avoir. Et c'est pour ça que quand vous allez dans l'application, quand vous voyez au niveau de la virtuelle, elle est gratuite. Vous téléchargez l'application, vous générez une carte virtuelle, elle est gratuite. Et vous pouvez déjà commencer par l'utiliser pour les usages et complètement en ligne. Et c'est les usages que nous targetons le plus. Les usages de contenu, de contenu de jeux, de sport et de e-commerce. La carte est complètement, vous n'avez même pas besoin de bouger. La deuxième chose qu'on a faite aussi, c'est que même quand vous rentrez dans l'application, vous pouvez commander votre carte et vous faire livrer à domicile. On a le mot de livraison à domicile dans notre application. Et maintenant, pour finir, certains de nos agents, je précise encore, vendent la carte. Merci beaucoup. Merci, merci directeur. Wally, tu as d'autres questions? Je crois qu'il y avait la dernière qu'il avait posée. Je pense qu'il y avait la deuxième question pour Mika. Voilà. Merci. Donc Très bien. Donc, la question de Wally portait sur en fait, le rechargement de la liquidité sur les guichets automatiques bancaires. Donc, ce qui, effectivement, Wally, c'est tout à fait bien vu. C'est un challenge, effectivement, c'est un défi. Et cela constitue d'ailleurs l'un des...
la constitue l'un des défis que l'on constate sur le marché actuellement, surtout en période de fin du mois. On arrive, pas forcément en fin du mois d'ailleurs, il arrive très fréquemment que vous vous présentiez devant un gap et que le gap soit vide, tout simplement. Alors, nous, de notre côté, ce qu'on a fait, c'est que on a effectivement un mécanisme qu'on est en train de, comme l'a dit justement Virgile, la phase d'intégration et de roder un système avant de le rendre public de manière générale est une phase incontournable dans la gestion d'un projet. Et la société, c'est vraiment, je dirais, les problèmes assurés. Donc, de notre côté, ce que nous faisons, c'est que nous avons des partenaires identifiés, dont je ne vais pas citer les noms, bien sûr, et qui, eux, aujourd'hui, auront à charge de nous suppléer sur la partie donc convoyage de fonds, rechargement des gaps et surtout le monitoring des gaps. C'est ça le plus important, c'est-à-dire que nous, on n'attend pas qu'un gap soit vide pour réagir, c'est qu'on a le temps de voir venir les choses, parce qu'on sait anticiper les pics de besoins et de demandes en termes de retrait gap dans un mois donné, de pouvoir faire l'approvisionnement nécessaire de manière adéquate et surtout de pouvoir anticiper. On peut savoir qu'un gap sera à court d'argent dans 24, 48, 72 heures. Et donc, on sera en mesure de prendre les mesures nécessaires pour éviter que cela arrive. Est-ce que les gaps peuvent nous trouver chez nous à la maison? Je pose une question peut-être pas très intelligente, mais alors, j'ai quand même un petit argument. Parce que de plus en plus chez les mobile money, c'est possible. Disons que l'agent peut venir vous trouver chez vous avec du cash. Est-ce que les gaps, Mika, exactement, est-ce que les gaps à vous, ceux que vous nous promettez, est-ce qu'ils peuvent nous trouver chez nous, à la maison? Alors, Ousmane, presque, je dirais presque oui. N'oublie pas le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, 6 gaps par 100 000 habitants. Si aujourd'hui nous arrivons à faire monter ce chiffre ne serait-ce que de 1 ou 2 points, ça veut dire qu'à terme, tu auras un gap à 30-40 mètres de chez toi, alors que là, il est peut-être à quelques centaines de mètres de chez toi. Et ça, et juste pour rebondir sur ce que Virgile disait, la distribution des cartes, vous avez des gaps qui sont équipés de la fonction de distribution de cartes. Un gap peut être rechargé en carte bancaire à l'intérieur. Et via maintenant un parcours client que Ndeyawa pourra mieux expliquer, aujourd'hui, un client Free Money peut effectivement retirer sa carte bancaire auprès d'un guichet automatique bancaire qui est doté de cette fonctionnalité-là, bien sûr. Ce ne sont pas tous les gaps qui le font, mais ça c'est juste pour étendre un peu les pistes de réflexion de Virgile sur comment est-ce qu'il pourrait à terme distribuer les cartes bancaires Free Money au niveau de la population. Merci Mika. On donnera la parole tout à l'heure à Ndeyawa. Mais directeur, j'ai une question urgente que je vais vous poser tout de suite et maintenant. À quand l'interopérabilité? C'est peut-être l'autre thématique qu'on oublie souvent. La Banque centrale y travaille. Alors, elle sera matérialisée quand exactement? Vous qui êtes certainement dans le secret un peu de la monnaie électronique. C'est un sujet qui me passionne beaucoup. Et moi, Ousmane, déjà, en tant que journaliste, il faut que vous donniez toute la visibilité sur le sujet. Parce que souvent, quand on dit interopérabilité en Afrique, les gens pensent que c'est de la magie. Ce n'est pas de la magie. Mmh. Et l'interopérabilité existe bel et bien. Ça existe entre les pays. C'est ça qu'on appelle le transfert transfrontalier. Mmh. Ça existe entre les banques et le mobile money. C'est ça qu'on appelle le bank-to-wallet-wallet-bank. Mmh. Ça existe même dans... Et c'est un cas entre plusieurs acteurs de différents centres d'activité. Le problème qui se pose en Afrique, c'est que quand nous faisons la même activité, je prends par exemple l'exemple de mobile money, à quand l'interopérabilité entre nous. Mmh. Et c'est là que toute la question se pose. Et aujourd'hui, je vais intervenir sur deux points. Le premier point, c'est que la Banque centrale a pris le sujet. C'est un sujet Banque centrale. Ils sont en train de travailler dessus. Mmh. Et moi, j'ai de fréquentes et séances avec la Banque centrale. Je suis au cœur du sujet. Et 2023 est assez prometteur pour qu'on démarre quelque chose, au moins sur le volet paiement. Parce que même quand je suis dans le domaine du closed loop de mobile money, c'est que l'interopérabilité, il y en a trois. Il y a l'interopérabilité au niveau des marchands. Comme les banques l'ont fait, hein. Tu prends ta carte et tu prends n'importe quelle carte, tu vas à n'importe quel guichet de n'importe quelle banque, tu peux retirer de l'argent. Le mobile money aussi pourrait faire pareil. Donc, il y a l'interopérabilité au niveau du marchand. Ou, quand tu rentres dans une boutique, quel que soit ton porte-monnaie électronique,
quel opérateur et émetteur c'est, tu peux payer sur le mobile money de n'importe quel opérateur. Ça, c'est le premier truc que la banque va mettre sous place si les calendriers concordent bien en 2023. Après, il y a l'interopérabilité du P2P, c'est-à-dire Ousmane, tu es sur un autre réseau, je suis sur un autre réseau, tu es chez un autre émetteur de monnaie électronique, je suis chez un autre émetteur de monnaie électronique, on pourra s'envoyer de l'argent. Ça, c'est l'interopérabilité P2P qui va venir un peu plus tard à cause des business models, à cause de la gestion de risque, à cause de la conformité, à cause de KYC. Et maintenant, le troisième volet de l'interopérabilité, c'est l'interopérabilité agent. Ou quand je suis de n'importe quel émetteur de monnaie électronique, je peux aller chez l'agent de l'autre émetteur de monnaie électronique, aller retirer de l'argent, un peu comme, je le dis, les banques l'ont fait. Donc, chez nous, les émetteurs de monnaie électronique, il y a ces trois types d'interopérabilité qu'il faut bien, sur lesquels il faut avoir une vue très claire. Mm-hmm. On va démarrer avec l'interopérabilité marchand, puisque la société, l'Afrique se veut cashless. Alors, si l'Afrique se veut cashless, les sujets prioritaires, ce n'est pas les sujets de retrait d'argent, ce n'est pas les sujets de dépôt d'annonce, c'est les sujets de paiement. Donc, la Banque centrale va commencer par ça, permettre à n'importe quel émetteur, à n'importe quel client de l'émetteur de monnaie électronique de payer n'importe où. Rapidement va venir le P2P et après, celui de l'agent qui est un peu plus complexe sur le plan de vue business model, sur le plan de vue infrastructure et tout. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Merci, merci beaucoup, directeur. On a fait beaucoup parler les hommes. On va maintenant passer la parole aux grandes dames, hein, nos amis. Alors, Ndeyawa, très rapidement, il nous reste quelques minutes pour ce panel. Parlez-nous maintenant des challenges, des concours d'innovation que vous organisez pour encourager la disruption, l'innovation. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Comment en faire partie et ça sert à quoi? Merci Ousmane pour cette question. Donc, l'inclusion financière, je pense, est en train de changer vraiment la donne pour le consommateur lambda, les PME, les ménages à faible revenu qui ne sont pas actuellement servis. Et parce que tout simplement, le taux de bancarisation est très, très faible, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pourtant, il y a beaucoup de millions d'utilisateurs de smartphones et toutes ces personnes sont éligibles à ces services financiers mobiles. Bon, heureusement, les opérateurs et les startups l'ont compris et proposent assez de solutions pour cela. Je ne vais pas revenir sur les solutions que Free offre pour cela, comme le Lebalma Crédit. Ah, j'ai envie de parler du Lebalma Crédit parce que le Lebalma Crédit, c'est vraiment une solution pour moi qui... Je vais taquiner un peu, hein, parce que c'est une solution très bénéfique aux femmes, hein, vu notre réputation de plus grand taux de remboursement. Et on sait que l'entrepreneuriat féminin est très présent. C'est une solution que j'aime bien. Parce que beaucoup d'entrepreneurs femmes l'utilisent pour leurs activités et tout ça. Dans notre communauté de startups fixes, nous avons une solution, un projet qui s'appelle TechNat, qui permet de digitaliser les tontines. Quelqu'un le fait déjà au Sénégal, certainement pour vous accompagner. Oui. Fatou? Comment? Les Fatou. Non. Fatou, elle a une solution, je pense, sur l'assurance, je crois. Mais TechNat, c'est... OK, d'accord, excellent. En tout cas, il y a plein de solutions qui permettent vraiment de faciliter l'inclusion financière. Mais encore une fois, le sujet de la couverture revient encore sur la table. Elle n'est pas totale, mais quand même, elle est beaucoup plus large que les banques traditionnelles. Et comme l'a dit Virgile tout à l'heure, Free travaille fortement sur la modernisation de nos réseaux et la présence des points. Et justement, il est important, l'un des challenges, c'est vraiment d'avoir des partenariats stratégiques avec Calisport, avec l'ADER, pour avoir des points de relais afin de faciliter, d'avoir plus de présence de caching, cash out pour ces solutions-là. Alors, pour le deuxième challenge,
Je pense que c'est plus la capacité pour les opérateurs ou les acteurs de l'écosystème, les entrepreneurs, de proposer des produits et services basés sur du offline. Du offline, des solutions qui n'ont pas besoin de, forcément de l'Internet pour fonctionner, vu l'accès justement au réseau dans certaines zones qui est assez limité. Donc aujourd'hui, si nous avons plus de solutions qui sont basées sur du offline, pour moi, c'est un des challenges que nous devons adresser pour pouvoir servir rapidement ces consommateurs-là qui sont desservis actuellement. Et un troisième challenge que j'avais identifié, c'est la proposition de plus de MVP, de solutions qui utilisent les langues et dialectes avec la voix. Aujourd'hui, la machine learning nous permet de faire cela, mais il n'y a pas assez de MVP pour tester le marché. Et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que la compétition Fix Challenge que Free organise tous les ans. D'ailleurs, le lancement de la troisième édition se fera en mi-novembre. Nous encourageons beaucoup, en fait, ces types d'initiatives qui utilisent la machine learning, les IoT, etc., etc., pour proposer des solutions adaptées aux consommateurs. Donc, voilà, pour finir un peu par rapport à cette compétition-là que nous organisons, le Fix Challenge, on est à la troisième édition et voilà, nous appelons vraiment tous les porteurs de projets, les innovateurs, à venir proposer des solutions qui auront un impact conséquent sur l'économie, sur le consommateur final. Voilà. Merci, Léa. Encore, ce sera un immense plaisir de relayer, bien entendu, toutes ces annonces en faveur de l'écosystème et notamment de nos startups. On parle beaucoup de cashless, c'est le combat de tout le monde, y compris moi, bien entendu. Mais en même temps, je taquine un peu Léa, mais la question est sérieuse également au même moment. Aujourd'hui, si on digitalise tout, s'il n'y a plus de cash, les femmes battraient de vous là chez les femmes. Ça donne quoi? Ça deviendra quoi? Le battre à l'heure où il y a plus de cash, qu'est-ce que ça deviendrait? Si vous pouvez activer un peu le micro. Pour moi, la question, elle est essentielle, hein, parce qu'on parle de... Non, ça me rappelle quelque chose parce que la dernière fois que j'étais allée à un baptême, les dames qui demandent de l'argent étaient venues vers nous pour demander de l'argent. Ben, je lui ai dit, ben, moi, je n'ai pas de cash, hein, j'ai Free Money. Est-ce que tu connais Free Money? Il dit, moi, je ne connais pas Free Money, je connais une autre solution. Ben, il faut aller demander Free Money. Tu viens, je te fais un transfert rapidement de 100 000 francs, pas de souci. Et la dame était en train de poser la question un peu partout. C'est quoi Free Money? Comment activer Free Money dans au moment du baptême, quoi. Donc, j'imagine un monde où, pourquoi pas, les gens auront, je ne sais pas, sur leur calepin ou leur téléphone, le QR code ici. Et pour faire le battre, ben, on te dit, lève ton téléphone, on fait ça, on scanne rapidement. Et puis, le transfert se fait automatiquement en plein baptême, en plein mariage ou en plein concert. Ce serait bien. Mika. Non, juste une anecdote rapide. Quelqu'un m'a raconté qu'en revenant d'un baptême, il y avait une dame qui avait le QR code attaché sur le portail. Voilà. Ça a déjà commencé, en fait. Ça a déjà commencé. Merci à tous les deux. Alors, directeur, peut-être le mot de la fin. Ndéawa, on vous reviendra tout à l'heure, Mika, pour votre mot de la fin à vous. Mais comme c'est le manager général, on laissera le fin mot de la fin. Mika, peut-être votre mot à vous avant de passer par Léa et de conclure avec Virginie. Non, en fait, moi, je pense que c'est juste. Vous savez, je suis passé de. Alors, j'ai démarré à Calispot il y a de cela un an. Et je vous assure que ce qui me maintient éveillé, actif tous les jours, c'est le dynamisme de l'écosystème de la fintech en Afrique de l'Ouest et du Centre et au Sénégal, comme l'a dit d'ailleurs Virginie tout à l'heure, qui est très dynamique. Et je pense que ce sont des initiatives comme ça entre les opérateurs de mobile money, les fintechs, les startups, le régulateur qui est en train de jouer son rôle, même si parfois nous on estime qu'il ne va pas très rapidement. Mais bon, c'est heureusement encore qu'il y a quelqu'un, qu'il y a une entité qui calme un peu les ardeurs des fintechs, sinon ça partirait un peu dans tous les sens. Et non, c'est juste pour dire que je suis vraiment. C'est tous les jours un délice pour moi de participer à des panels pareils et à rencontrer des acteurs de la fintech et des mobile money parce que je crois qu'on a encore
deux semaines, des évolutions vont arriver et on sera encore là à en parler. C'est vraiment un plaisir d'avoir été aujourd'hui parmi vous durant ce panel. Merci, merci beaucoup, Mika. Peut-être que prochainement, on parlera de la crypto-monnaie parce que c'est quand même l'autre débat. Quand on parle fintech et on connaît la frilosité de nos banques, on espère bien d'ailleurs avoir ces acteurs bancaires parce que depuis bientôt un an, voire des années, hein, si on inclut un peu les invitations répétées, à répétition faites à la Banque centrale, on va avoir tous ces acteurs, mais ça ne bouge pas, il n'y a pas de réactivité, ça ne réagit pas, ce n'est pas très agile. On espère que ça va changer parce que ces panels que nous organisons, le seul esprit, c'est bien entendu de débattre de tous ces enjeux parce que nous sommes convaincus que nous sommes dans des sociétés démocratique, ouverte, où il faut quand même mettre le débat en avant si, bien sûr, on veut que les acteurs soient au même niveau d'information parce qu'on sait à quel point l'information est essentielle quand on veut avancer sur bien des enjeux en lien avec notre petit monde. Merci infiniment, Mika. Donc, on rappelle aussi sur la plateforme de Tech Observateur, vous avez fait une sortie sur les crypto-monnaies. C'était à l'occasion de la visite d'un grand PDG chinois au Sénégal. Il avait rencontré d'ailleurs le président Macky Sall du Sénégal et Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Alors, Ndiawa, parlez-nous très rapidement de l'avantage d'être start-up et de participer au challenge organisé par le groupe Axiom. Ndiawa qui va réactiver son micro. Oui, merci Ousmane. Donc, le challenge est organisé par le groupe Free, en fait, organisé par l'entreprise Free, ce n'est pas Axiom. Free appartient au groupe Axiom et Axiom a vraiment beaucoup d'opérations en Afrique. Donc, l'avantage pour moi aujourd'hui, en tout cas, concernant la fintech, je vais plus parler de fintech, sachant que le Fix Challenge couvre énormément de domaines. Pour la plupart des solutions fintech, le modèle économique fonctionne sur des volumes. Donc, pour être rentable, il faut avoir un marché assez important. Et nos marchés, on sait tous que nos marchés sont assez petits. Il faut vraiment une vraie stratégie pour passer à l'échelle. Et Free, faisant partie de ce groupe Axiom qui est présent dans plusieurs pays, dans notre stratégie 2025, nous avons l'ambition d'avoir des projets niveau groupe. Donc, aujourd'hui, le fait de participer à cette compétition-là, d'avoir un projet que nous jugeons vraiment viable, impactant, etc., permettra à ce start-up-là d'avoir accès à des marchés plus conséquents. Nous permet, nous, en tant que Free, de capitaliser sur cette présence-là, sur cet avantage-là d'être membre du groupe Axiom et justement de transmettre cet avantage-là à ces acteurs, à ces écosystèmes qui participent à la compétition Fix Challenge. Donc, nous encourageons vraiment tous les... J'ose espérer qu'il y a beaucoup de start-upers qui sont en train de nous écouter. Ce que l'on retient aujourd'hui, en tout cas moi, ce que je retiens par rapport au fintech, c'est que voilà, la fintech est partout. Et ne le voyons pas comme un gros mot, c'est simplement finance, technologie, digitaliser les services financiers. Et je pense que si on regarde notre parcours de tous les jours, il est facile d'identifier aujourd'hui un besoin qu'un consommateur veut combler. Donc, voir un problème que nous avons, trouver une solution et pourquoi pas devenir un start-upper demain qui va régler une solution réelle. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire un peu par rapport au Fix Challenge et vraiment l'avantage de participer à cette compétition et de bénéficier de tout le marché action de toute l'Afrique. Merci, merci beaucoup, Ndiawa Gueye. Je sais que les start-upers ont bien noté. Et on oublie souvent que Mika est aussi start-upper et il représente dignement tous ces jeunes acteurs qui méritent d'être accompagnés. Docteur, on vous donne la parole en dernier pour conclure, sachant que sur l'innovation, on ne conclut jamais, il y a toujours des rebondissements.
Oui, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Je dirais d'abord merci à Ousmane pour cette visibilité que tu donnes aux fintechs, aux émetteurs de monnaie électronique, aux acteurs de la fintech. Et ce n'est seulement que comme ça que tout le monde peut savoir ce qui se fait ici au Sénégal. Et je vais rejoindre Mika en disant que le Sénégal est un marché assez dynamique, plus que dynamique. Plus que dynamique. C'est vrai par rapport à ça, par rapport à la population, 17 et après 17-18 millions d'habitants. On peut dire que le marché n'est pas trop grand, mais le marché, il est très dynamique. Ici, je ne sais pas si c'est à cause de la diaspora, toutes les innovations sont permises et plein d'initiatives. On va continuer par encourager ça, par briser les codes, tout en respectant la réglementation, tout en permettant à chacun de rester dans son couloir. Moi, j'aurais souhaité beaucoup plus de collaboration entre FinTech et banque, entre FinTech et méthode de monnaie électronique. C'est de la complémentarité. C'est vraiment de la complémentarité. Éviter que le marché appartienne à un seul acteur, c'est un risque systémique. Et vous allez voir, hein, on l'a vu par le passé avec des acteurs de méthode de monnaie électronique tels que je ne vais pas citer le nom, mais qui ont disparu et qui ont bousculé un peu le marché. Donc, éviter que le marché soit monopoliste et permettre à tous les acteurs d'avoir leur place et de permettre beaucoup de partenariats, de la complémentarité. Et c'est ça seulement qui permettra de fournir des services innovants et qui libèrent le consommateur. Donc, vraiment, je tiens et vraiment à ça. On fait la bataille tous les jours avec le régulateur pour que tout le monde puisse participer. Toutes les fintechs puissent participer à cet écosystème, à l'éclosion de cet écosystème. Et encore une fois, merci Mika de nous donner cette visibilité, de nous donner cette opportunité de nous exprimer, de parler de ce que nous faisons, de parler de ce qui se passe au Sénégal. Et je suis très, très, très honoré d'être présent ici. Et je pense que prochainement, tu m'inviteras encore. Merci beaucoup. Merci, directeur. Je parlais de rebondissement et en voilà un déjà avant même que l'on se sépare. Une question de Mohamed Ndiaye qui aura vraiment le mérite d'être prise en charge par Ndeyawa. Il vous félicite, il se dit content de toutes ses réalisations. Seulement, il a une question, deux points. Pensez-vous à la création d'un grand centre digital free pour les startups? Ndeyawa, est-ce que c'est dans le pipe, comme on dit? Oui, c'est bien dans le pipe. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bien dans le pipe, mais on y va étape par étape. Déjà, on a commencé à mettre à disposition la plateforme Launch by Station F qui propose déjà assez d'outils, d'accompagnement, etc. pour les startups. Maintenant, on est en train de construire notre siège à Jamiajo. On va espérer y aller très bientôt et on va espérer aussi avoir tout un étage juste pour les... Pour les startups, c'est en bonne voie. Merci beaucoup, Ndeyawa. Jamiajo, la ville du futur et Jamiajo. C'est ça. C'est d'ailleurs une thématique qui a retenu l'attention des après-midi de la tech il y a quelques années. J'invite l'ensemble des acteurs à revoir tous ces beaux panels. Quand je dis beau, je n'y inclus pas, bien évidemment. Je parle un peu de la pertinence de tous ces acteurs et de l'intervention au fil des ans, en l'espace de quelques 3 ans, nous avons consacré énormément de panels à différents acteurs et à différentes problématiques. En voilà d'ailleurs un numéro qui a été consacré à Free lorsque Joseph Colli, directeur de la stratégie de Free Monnaie, était passé nous voir pour échanger avec l'écosystème autour de ce que fait déjà l'opérateur. Merci infiniment à tout le monde, je vous donne rendez-vous. Inch'Allah, le 26 octobre, si j'ai bien calculé, mercredi prochain, Inch'Allah, nous allons nous poser avec d'autres acteurs pour d'autres problématiques, mais concernant en réalité les mêmes acteurs, parce qu'on parle de l'écosystème numérique sénégalais et mondial. Et je remercie l'ensemble de tous ces fidèles qui, chaque mercredi, comme chaque jour, nous font l'immense honneur et l'immense fidélité de nous suivre. Mais ce que nous aimons surtout chez eux, c'est vraiment leur exigence. Parce que c'est seulement avec l'exigence que
l'on peut être et que l'on peut demeurer sérieux, et c'est avec l'exigence que l'on peut remonter et que l'on peut, disons, faire, en tout cas, prendre en charge tous les défis qui se posent à nous. Rendez-vous donc mercredi prochain, Inch'Allah, à partir de 15h heure de Dakar. Vous serez notifié d'ici là à travers nos plateformes digitales. Merci aussi aux équipes qui m'accompagnent parce que c'est un gros travail, parce qu'il y a des infographes, il y a des assistants qui aident, des infographes qui essaient de vous proposer de très belles créations et d'autres acteurs qui derrière aident toujours en rectifiant notamment, je pense à Mika, je pense à pas mal d'acteurs qui tous les jours me disent ce n'est pas comme ça, c'est telle problématique qu'il faut mettre en avant. Parce qu'après tout, je ne suis pas un expert, je ne suis même pas un faux expert. Parce qu'un faux expert, il faut ressembler à un expert pour être qualifié de faux expert. Je n'en suis pas un, mais je sais que je suis un journaliste. Je sais que j'ai plein de questions, je sais que je n'ai aucune réponse. Et tous les mercredis, je convie tous ces gentils acteurs à venir donc satisfaire ma curiosité. C'est aussi simple que ça. Rendez-vous donc mercredi prochain. D'ici là, un peu dans quelques heures ou dans quelques minutes, ce panel fera l'objet d'un replay à travers nos plateformes digitales. Et bien entendu, vous pouvez partager à volonté. Merci, bon après-midi. Rendez-vous donc la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci, merci. Merci tout le monde. Au revoir. Merci, bye-bye.